Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le président, bonjour à tous. Je vais immédiatement donner la parole au bureau du procureur. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Donc, comme je le disais, je vais immédiatement donner la parole au bureau du procureur. Monsieur le médiant, merci, monsieur le président. Bonjour. Vous avez eu le bon réflexe d'attendre avant de répondre. Nous nous sommes arrêtés hier avec les événements de mars 2004, hein, la marche qui était prévue par le groupe des sept, si vous vous souvenez. Oui. Et j'ai une petite clarification avant de commencer. Hier, dans le transcript, vous nous aviez dit que c'était le 23 mars. D'après les rapports onusiens et même votre déclaration, je vois le 25 mars. Est-ce qu'il y a une différence? C'est possible qu'il y ait eu un décalage de jour. Mais vous savez, ça a été des moments assez difficiles. D'accord. Donc, au moment où je témoignais, je peux confondre. Mais si mes souvenirs sont exacts, ça devrait se passer le 23. D'accord. Alors, hier, vous nous avez expliqué, et pour mes collègues, c'est à la page 88 des notes d'hier, que vos militants ont été assassinés par des hélicoptères de combat de l'armée. Alors, j'aimerais comprendre un petit peu, pour qu'on comprenne aussi tous ici encore, comment est-ce que vous avez reçu ces informations au courant de la journée? Comme je l'ai dit hier, la marche n'a pas démarré. Mais très tôt le matin, on a vu les hélicos décoller et commencer à sillonner des quartiers comme à Niama, à Bobo, où se trouve l'essentiel des militants de l'opposition de l'époque. Et ces informations que je vous donne sont les témoignages que nous avons recueillis de nos militants et qui ont pu échapper à la barbarie. Et pour qu'on puisse comprendre aussi, quelle méthode de communication a été utilisée avec vos militants? On avait les téléphones. D'accord. Vous nous avez aussi... Slow. Pardon. Please. Le président, je vous en prie, n'allez pas trop vite. Pour les interprètes de la cabine anglaise, je les sens qui sont déjà essoufflés. Donc, j'anticipe. Avant qu'ils protestent, je vous demande de ralentir, s'il vous plaît. Allez-y. Hier, vous nous avez aussi expliqué que le secrétaire général du PDCI, qui était à l'époque aussi président du directoire du G7, a lancé un mot d'ordre pour demander à vos militants de ne pas continuer la marche. C'est toujours à la page 88 des notes d'hier. Alors, à nouveau, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez appris ce mot d'ordre? Nous l'avons appris sur des radios et aussi par téléphone. Parce qu'il faut dire qu'au niveau du directoire du G7, nous sommes organisés par partis politiques. Et chaque parti politique a un point focal. Et ce sont ces points focaux qui ont reçu d'abord l'information et qui ont répercuté sur le terrain. Vous disiez aussi qu'en tant qu'opposant, vous avez été obligé de rentrer immédiatement en clandestinité parce que vous étiez recherché. Bien sûr. Qui est-ce qui vous recherchait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Écoutez, c'était essentiellement des militaires. Je vais vous donner un exemple. Quand, très tôt le matin, la marche n'ayant pas pu avoir lieu et que nos militants ont commencé à être assassinés, nous avons eu comme réflexe premier de nous mettre à l'abri. Personnellement, j'ai demandé à mon épouse et à mes enfants de se répartir dans la ville d'Abidjan chez des parents. Et je me suis réfugié dans un immeuble
ce qui fait que nous avons abandonné notre maison. Et de ma cachette, le garde que j'avais laissé à la maison, qui était dans un endroit bien caché à la maison, a vu venir un cargo militaire et des hommes en armes venir taper à notre porte. Et de là-bas, il m'a appelé pour me dire « Tonton, ils sont à ta recherche. » Ils ont tapé, mais comme il n'y avait personne, ils sont repartis. Ça vous dit que nous étions recherchés, surtout nous les leaders politiques. Pouvez-vous nous dire sur quelle période de temps est-ce que vous êtes resté en cachette? Je suis resté en cachette à peu près 2 semaines. Mis à part les tueries dont vous avez appris à partir des hélicoptères, est-ce qu'il y avait d'autres tueries à cette époque? Je n'ai pas souvenance d'autres tueries pendant cette phase. Et est-ce que les tueries dont vous nous avez parlé étaient uniquement commises à travers l'utilisation d'hélicoptères? Je ne pense pas. Quelles autres méthodes auraient été utilisées? Je vous ai dit hier que le pouvoir de l'époque avait déclaré la zone du plateau zone rouge. Et le président Laurent Gbagbo avait réquisitionné toutes les forces de défense et de sécurité. Cela veut dire que s'il y a eu des tueries, ça ne peut être que le fait de ces forces de défense et de sécurité qui ont été réquisitionnées pour mater la rébellion, soi-disant. Avant de continuer sur le reste de cette période, j'ai deux sujets différents sur lesquels j'aimerais avoir quelques clarifications sur les réponses que vous nous avez données hier. Alors, j'aimerais commencer avec, à la page 11 des notes sténographiques d'hier, vous nous avez expliqué un petit peu le concept d'appartenance ethnique. Et vous nous avez dit, et c'est à la page 11, ligne 3, « C'est vrai, certains hommes ont voulu surfer sur les appartenances ethniques. » Et à la page 13, ligne 15, vous avez ajouté « Il y a eu quelques tentatives de certains hommes politiques de surfer sur cette situation pour avoir leur audience. » Alors, je vous demanderai encore une fois, pour la compréhension des juges et de nous tous en cours, est-ce que vous pouvez être un petit peu plus spécifique? Quels sont les partis, quels sont les individus qui ont surfé sur les apparences ethniques, appartenances, pardon. D'abord, c'est dans le discours. C'est dans le discours des hommes politiques que cela apparaît. Quand, dans une déclaration publique, on fustige les populations du Nord, vous comprenez que c'est la preuve que nous voulons que ceux qui tiennent ces propos tiennent, du moins souhaitent utiliser le concept de, comment dirais-je, ce concept de que inventé sous le président Bédier pour pouvoir créer la haine entre Ivoiriens. Si je me voyais hésitant, c'est parce que du moment où l'ivoirité a été créée, jusqu'à ce que le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir, que ce soit sous Bédié, que ce soit sous Guy Robert, que ce soit sous M. le Président Gbagbo Laurent,
toutes les chapelles politiques ou bien les mouvements qui sont arrivés au pouvoir avaient tendance à systématiser les populations du Nord. C'est ce que j'appelle certains hommes politiques. Je ne voudrais pas mettre le nom d'un président sur cette manière de surfer, mais j'ai dit que c'était une pratique courante. Même pendant les différentes campagnes, c'était une pratique courante. Alors, je vous ai bien entendu que vous faites attention de ne pas attribuer les termes à un individu précis. Oui. Par contre, alors à l'époque, vous nous dites que certains hommes politiques, est-ce que vous en avez en tête des exemples? Écoutez, quand lors du Forum de réconciliation nationale, on déclare comme ça, quels sont ces hommes politiques qui ont dans la poche gauche un certificat de nationalité, du moins une pièce d'identité ivoirienne, et dans la poche droite une autre pièce. Comprenez que on ne fait que attiser la haine vis-à-vis de ceux qui sont supposés être étrangers. Mais je le répète une fois de plus, je n'ai pas le désir de mettre à l'index qui que ce soit. Mais c'était une pratique courante qui a abouti à ce que les forces de défense et de sécurité s'autorisent à déchirer les cartes nationales d'identité de certains citoyens ivoiriens sous le prétexte qu'ils portaient des noms à consonance nordique. Merci, monsieur le témoin. Je tiens à vous rassurer que nous ne voulons pas que vous mettiez à l'index qui que ce soit. Nous voulons simplement que vous nous disiez ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, et pour que les juges comprennent aussi, en tant que politicien à l'époque, ce que vous avez vu et entendu, comme je l'ai dit. Merci. D'accord. Alors, en revenant sur cette question, je dois insister, je m'excuse, mais ce que vous avez entendu, est-ce que vous pouvez nous dire quels hommes politiques ont utilisé ces concepts? Tous les dirigeants politiques de quelque bord que ce soit, sauf le RDR. Je vais être précis. Le dernier discours du président Bélier, avant qu'il y ait le coup d'État, est révélateur de la grande scission qu'il y avait entre Ivoiriens. L'intervention du président Gbagbo lors du Forum de réconciliation nationale contient des expressions qui confirment ce désir de créer la scission entre les Ivoiriens. Je ne parlerai pas du général Guy Robert qui, pendant sa campagne, a mis l'accent sur la campagne référendaire et par la suite la campagne électorale, a mis l'accent sur cette séparation entre les populations ivoiriennes. Et je crois que vos sources documentaires sur les différentes interventions devraient vous renseigner un peu plus sur ce que je viens de dire. Oui, j'attends la fin de la traduction. Alors, je passe au sujet. Attendez un instant.
Je passe au sujet. Hier, vous avez discuté brièvement du sujet des jeunes patriotes. Et à la page 41, ligne 15 des notes d'hier, vous disiez que les jeunes qui refusaient l'immixtion de la rébellion ont commencé à s'organiser pour dire non à la rébellion. Ça, c'était en 2002, suite à la tentative de coup d'État. Et ensuite, vous nous avez expliqué que suite à l'accord Linas Marcoussi, les jeunes patriotes ont organisé cet rassemblement à la place de la République. Et vous nous avez dit que, entre autres, les organisateurs contenaient Charles Brigoudet et Eugène Jouet. Alors, au long de cette période, qui débute avec l'avènement de la rébellion et les multiples accords de paix qui ont suivi, quelle signification avaient ces groupes de jeunes patriotes pour les partis d'opposition? D'abord, il faudrait que je précise. Excusez-moi. Le président, désolé, mais c'est une opinion que vous demandez, non pas un fait. Si vous lui demandez quelle est la signification, vous voulez avoir son opinion. Ce n'est pas un fait que vous voulez avoir. Donc reformulez, s'il vous plaît. Alors, en partant encore des partis politiques d'opposition, les activités des groupes des jeunes patriotes, comment est-ce qu'elles avaient été perçues par vous à l'opposition? Ces groupes étaient considérés comme des groupes d'autodéfense. Je vais vous donner un exemple. Dans la ville d'Abidjan, il y avait ce qu'on appelle le GPP, qui, au vu et au su de tout le monde, se faisait encadrer par les militaires, faisait les entraînements dans les rues, au grand jour. Et si vous avez constaté hier, je n'ai pas voulu dire qui était le responsable de ces patriotes. Parce que on les a appelés la galaxie patriotique. Qui dit galaxie, dit plusieurs composantes. Donc, pendant cette période, il n'y avait pas de leader charismatique de cette galaxie qui s'était autoproclamé défenseur des institutions de la République. Quand est-ce que ce groupe que vous venez de mentionner, le GPP, quand est-ce qu'il a vu le jour? C'est au lendemain du déclenchement de la rébellion. Et vous nous avez dit que le GPP se faisait encadrer par les militaires et qu'ils faisaient leur entraînement dans les rues, au grand jour. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que le GPP était armé? Nous ne les avons jamais vus armés. Ils arboraient des t-shirts verts, sombres, sur lesquels était marqué GPP, mais ils étaient encadrés par des militaires. Et l'une de leurs bases, c'était non loin de la société d'édition Fraternité Matin. Et c'est des notoriétés publiques. Ils s'entraînaient dans les rues d'Abidjan, au vu et au su des forces de défense et de sécurité qui, à certains moments, les encadraient. Je vais maintenant vous transporter à l'après-mars 2004. Vous nous aviez dit hier que... En fait, non, on a vu hier l'accord de Linas Marcoussi. Et à son annexe 6,
L'accord prévoyait la création d'une commission internationale pour enquêter les cas de violation grave des droits de l'homme et du droit international humanitaire depuis le 19 septembre 2002. Alors, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez eu connaissance des travaux de cette commission? Oui, je crois que c'est les conclusions de leurs travaux figurent dans le tome 3, à l'annexe du tome 3 de mon ouvrage. Très bien. Je vais vous montrer une copie de ce rapport. Et c'est le CIV OTP 0008-0848, numéro 51 sur la liste. Monsieur Nguessan, avant de parler du document, juste pour nous rafraîchir la mémoire, en l'an 2004, vous étiez toujours membre du mouvement des Forces d'Avenir? Oui. Oui, ok. Alors, si on peut agrandir un petit peu, nous voyons dans l'en-tête. Est-ce que vous voyez le document à l'écran, monsieur le témoin? Oui. Oui. Bon, à l'en-tête, vous voyez que le rapport est établi selon l'annexe 6 de l'accord de l'INAS Marcoussi et de la déclaration du Conseil de sécurité du 25 mai. J'aimerais que nous tournons la page, oui merci, et que nous allons à la page 3. Merci. Au haut de la page, on voit que le Haut Commissariat des Nations Unies a nommé 5 individus au sein de cette commission. Est-ce que vous êtes familier avec les individus qui sont énumérés ici? Non. Non. Et j'aimerais que nous allons à la page 6. Donc, pour le IRN, c'est la page qui finit avec le 0853. Et on peut aller vers la fin de la page, un petit peu vers le bas. Alors, je tenais à vous montrer cette section du rapport avant de rentrer dans le fond, parce qu'il semble que la commission a reçu des échanges de vues avec certains partis politiques. Je voulais vous demander si vous vous souvenez à l'époque qui, de la part du mouvement des Forces d'Avenir, avait communiqué avec cette commission. À ma connaissance, je n'ai pas participé à cet entretien. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant qu'un membre du MFA avait eu des entretiens avec la commission d'enquête? Je n'ai pas souvenance. Ça fait rien. Très bien. Alors, vous nous dites que ce rapport a été copié, des extraits de ce rapport ont été inclus dans le volume 3 de votre livre. Et c'est un rapport qui fait quand même 70 pages. Alors, j'aimerais aller aux recommandations que l'on retrouve à la page 66. Le IRN termine avec les chiffres 0913. Merci. Si on va vers le bas de la page, nous voyons donc
D'abord, un premier titre des recommandations aux acteurs ivoiriens. Plus tard, dans ce rapport, il y a des recommandations à d'autres institutions aussi, les États voisins, l'Union africaine. Mais commençons par là. Au point 2, est-ce que vous voyez qu'il est indiqué comme recommandation de régler la question ? Désolé, confrère. Monsieur le Président, je suis obligé de me lever. Il y a des questions précises qui ont été posées au témoin. On lui a demandé si au titre du MFA, il avait été présent, il avait été invité. Il dit non. Il dit néanmoins que ce rapport, il est en annexe de mon ouvrage. Maintenant, on veut lui demander de faire un commentaire d'un rapport dont il n'est pas destinataire, dont il n'est pas l'auteur. Je ne sais pas, s'il y a des faits, puisqu'il était ivoirien à l'époque, s'il y a des faits qui ressortent de ce rapport, on peut lui poser les questions sur les faits, mais on ne peut pas lui demander ici de faire un commentaire ou de donner son opinion sur ce rapport, dont il n'a même pas été rédacteur. Il dit qu'à l'époque, il n'en a même pas souvenance, mais il n'a pas représenté le MFA. Donc je pense qu'on peut lui poser des questions, mais pas lui demander de commenter le rapport. Je n'avais même pas posé ma question, Monsieur le Président. Donc je pense que cette objection est prématurée. Well. Maître Chez, écoutez, avant de présenter un rapport, ce type de rapport à un témoin qui témoigne sur les faits, il doit jeter la base et indiquer sur quelle base il se fonde pour dire que ce témoin a des connaissances pour parler de ce rapport, comme l'a indiqué mon estimé confrère. Et il l'a indiqué de façon très très claire, le témoin a déjà indiqué qu'il n'avait absolument pas participé à cette enquête. Alors ce que fait mon estimé confrère en présentant ce rapport au témoin, en lui présentant directement les recommandations, c'est qu'en fait il le traite comme un témoin expert. Et mon estimé confrère de la Défense a attendu qu'il commence à poser des questions. Il a parlé d'une recommandation bien précise. Et il a montré cela au témoin. Et il a demandé au témoin s'il connaissait cette recommandation. Enfin, c'était cela la question qui avait été posée. Donc, ce que mon estimé confrère devrait faire, à mon humble avis, c'est qu'il devrait présenter les faits ou essayer de demander ces faits au témoin, mais ce n'est pas la peine de présenter au témoin toute une série de recommandations en lui demandant de reconnaître ces recommandations, parce que de façon implicite, pour ne pas dire explicite, c'est inviter en fait le témoin à présenter un commentaire. Le président, là je suis d'accord avec la défense. Monsieur Demirjian, alors je vais poser quelques questions au témoin au sujet de sa connaissance du rapport avant de poser d'autres questions de suivi, parce qu'il y a une pertinence, et je ne veux pas le dire devant le témoin, mais il y a une pertinence au sujet de la façon dont ce rapport a été compilé, diffusé, etc. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, ou plutôt d'aborder le fond du rapport, je pense que pour établir sa connaissance au sujet du rapport, j'aimerais poser quelques questions au sujet de la recommandation et de ce qui a été suivi. Le président, oui, mais le problème, c'est que vous demandez son opinion au témoin au sujet de ce rapport. Or, le témoin a déjà dit qu'il n'avait pas participé à la rédaction de ce rapport, mais il dit qu'il en a entendu parler, parce que cela a été présenté en annexe à son ouvrage. Mais il a indiqué, en fait, qu'il n'a pas participé à la rédaction du rapport. Donc, là, j'ai l'impression, enfin, je pense que vous allez un peu au-delà de ce qu'un témoin qui vient témoigner sur les faits peut dire. Monsieur Demirjian, eh bien, nous allons nous en tenir aux faits. Moi, je pense qu'il y a une certaine pertinence, interrompue
par le présent. Oui, mais cela dépend de la façon dont vous posez des questions. Parce que si vous posez des questions pour demander au témoin une opinion, un avis, là, nous faisons fausse route. Parce que ce qui est important ici, ce sont les faits. Les faits qui sont inscrits dans le rapport, s'il y en a. Monsieur Demirjian, alors je vais m'assurer de m'en tenir aux faits. Et bien entendu, je m'incline par rapport à ce que vous avez dit au sujet des opinions. Avant que je retourne au rapport, quand est-ce que vous avez pris connaissance de l'existence de ce rapport? J'ai dit hier que quand j'ai été nommé ministre des droits de l'homme, je me suis fait remettre pour ma propre compréhension les différents documents établis par les structures onusiennes ou les organisations internationales des droits de l'homme. Donc c'est à ce moment-là? Oui. On a dit que c'est à partir de 2006-2007. D'accord. Voilà. Alors, mis à part le rapport pour un petit instant, au courant des plusieurs accords et conférences auxquelles vous avez pris part, et suite aux recommandations et aux conclusions qui ont été adoptées durant ces conférences, ces tables rondes, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le suivi qui a été fait? Et le sujet qui nous intéresse ici, c'est la question, les sujets dont vous nous avez parlé hier, l'électorat, l'éligibilité à la présidence, les enquêtes sur les violations des droits de l'homme. Quel a été le suivi qui a été fait à votre connaissance à cette époque-là? Alors là, on se trouve en 2004 déjà. Bien. Je l'ai dit aussi hier, au lendemain de la formation du gouvernement d'Union nationale, une feuille de route a été donnée au Premier ministre Seydou Eliman Diarra. Il a décliné cette feuille de route en matrice d'action. Et dans sa matrice d'action, il y avait les questions de nationalité, comment les résoudre, les questions d'électorat. J'ai parlé hier des audiences foraines qui ont abouti à l'établissement de jugements supplétifs en vue de permettre à certaines personnes qui n'avaient aucun élément d'identité de se faire recenser sur les listes électorales. Et l'une des questions majeures, c'était l'éligibilité, étant entendu qu'à la conférence de l'INAS Marcoussi, on avait conclu que tous ceux qui ont participé à cette conférence étaient de facto éligibles pour l'élection présidentielle de 2005 s'ils en manifestaient le désir. C'est vous dire que le gouvernement avait pour mission de suivre la mise en œuvre de la feuille de route et surtout de la matrice d'action. Et nous, au niveau du G7, si nous nous sommes constitués en groupe, c'est pour faire une évaluation progressive de l'état d'avancement des décisions et des matrices d'action arrêtées par le gouvernement d'Union. Je me souviens encore que à mi-mandat du Premier ministre Seydou Eliman Diarra, nous lui avons demandé de nous rendre compte en tant qu'acteur politique et signataire de l'accord de l'INAS Marcoussi. Et nous avons tenu une réunion dans la salle de réunion du Conseil des gouvernements et il est venu, il nous a fait l'état des lieux. Il faudra dire aussi que au sorti de Marcoussi, l'une des recommandations, c'était de mettre en place un comité international de suivi. Mais nous nous sommes dit que ce comité international, c'est bien, mais nous-mêmes, Ivoiriens, qui avons en charge la destinée politique de notre pays, il nous appartenait aussi de suivre l'évolution des résolutions qui ont été prises. C'est ça qui a justifié la création du G7.
Et en ce qui était de l'annexe 6 de l'accord de l'INAS Marcoussi, des enquêtes des cas de violations graves, quel a été le développement relatif à cette question suivant les accords de Marcoussi? Voyez-vous, l'un des drames que nous avons connus en Côte d'Ivoire, c'est que ces multiples rapports sur les droits de l'homme, sur les violations graves des droits de l'homme, sont restés dans les tiroirs. Tous ces rapports, pour la plupart, n'ont pas été publiés, publiquement, je veux dire, publiquement s'entend. Mais il n'y a eu aucune communication officielle sur ces rapports pour attirer l'attention des populations sur les constats qui ont été faits. C'est pour dire que même ce rapport dont on parle, je ne crois même pas un seul instant qu'il ait été discuté en Conseil des ministres. Et ça a été le cas de presque tous les autres rapports. Les organisations internationales des droits de l'homme arrivent en Côte d'Ivoire, font leur investigation, s'en vont rencontrer le ministre en charge du secteur, et puis ça s'arrête là. Ils vont saluer le président de la République ou le premier ministre, et ça s'arrête là. Là, c'est une réalité. Et c'est ça qui a fait, je dirais, le lit de cette succession d'impunités. Je vous ai dit hier que j'ai retrouvé un rapport qui donnait les noms des gendarmes tués à Boaké dans la zone sous contrôle des rebelles et à Daloa dans la zone sous contrôle du président Laurent Gbagbo. Les noms existent, mais jamais cela n'a été rendu public. C'est ça le problème. Vous nous avez dit il y a un instant, je veux juste une clarification, que les organisations internationales qui venaient en Côte d'Ivoire s'en venaient rencontrer le ministre en charge du secteur. De quel secteur s'agissait-il? La justice, liberté et droits de l'homme. Et savez-vous pourquoi ces rapports n'ont jamais été distribués au sein du Conseil des ministres? Cela relève essentiellement de la programmation faite par le secrétaire général du gouvernement. Et savez-vous si cette programmation suivait une certaine politique? Je ne peux pas en dire grand-chose, mais un conseil des ministres s'est précédé avant tout d'un conseil des gouvernements qui arrête un ordre du jour avec les thématiques à aborder lors du conseil des ministres. Mais durant les quelques mois où j'ai été ministre, il ne m'a jamais été donné de constater qu'un rapport a fait l'objet d'une programmation en discussion et en analyse lors d'un conseil des ministres. D'ailleurs, quand on reprend la liste de tous les communiqués des conseils des ministres, depuis pratiquement 10 ans, en aucun moment, ces communiqués ne font mention de ces rapports. Monsieur Nguessan, nous savons que plus tard, en 2004, une opération connue sous le nom de Opération Dignité fut menée par les forces de l'ordre et c'était ciblé à Bouaké et à Korogo. Je pense que vous en avez fait part aussi dans votre livre, mais pouvez-vous nous expliquer dans quel contexte émerge cette opération ?
l'un des points de l'accord de l'INAS Marcoussi, c'était le désarmement. Mais cette procédure de désarmement n'a pas connu un succès. On était tous d'accord qu'il fallait désarmer. On était tous d'accord qu'il fallait créer une armée unifiée. Et comme cela n'a pas pu se faire, malgré les cessez-le-feu qui ont été signés, malgré les accords de non-belligérance qui ont été signés, si mes souvenirs sont exacts, un beau matin, l'opération Dignité a été lancée. On s'est réveillé le matin pour apprendre que Bouaké et Korogo ont été bombardés par des hélicoptères de combat. Cela va créer des troubles. Et selon les explications qu'on nous aurait données, c'était de désarmer les forces nouvelles de force. Donc il y a eu le bombardement. On l'a tous appris un matin. Il y a eu des graves conséquences puisque cela a entraîné des troubles. Parce que après le bombardement de Bouaké et Korogo, où à Bouaké, il y a eu des morts, surtout dans un camp tenu par les militaires français. Il s'en est suivi la destruction de tous les aéronefs de combat de la Côte d'Ivoire. Les aéronefs que le président Gbagbo avait acquis, cela a été détruit. Je peux vous dire que c'est en ce moment-là que le leadership de ceux qu'on appelait les patriotes a été pris par M. Blégoudé. Parce que nous avons encore en mémoire sa déclaration à la télévision demandant à chaque Ivoirien, à chaque patriote, d'arrêter toute activité et de se mettre en position pour défendre les institutions de la République. C'est là qu'il a pris le leadership. Sinon, jusqu'à là, on parlait de galaxies patriotiques, mais son appel a été effectivement entendu et il y a eu une marée humaine sur la ville d'Abidjan, dans la ville d'Abidjan. C'est ce que je peux vous en dire. Mais là encore, nous, en tant qu'opposants, redoutant ce que les partisans du pouvoir pouvaient avoir comme action sur nous, nous avons été une fois de plus obligés de nous mettre en clandestinité. Pourquoi est-ce que vous avez dû entrer en clandestinité? Parce que en tant qu'opposant et étant avec les trois mouvements rebelles dans le G7, je vous l'ai dit hier, le G7 c'était le MPIGO, le MJP, le MPCI, plus les quatre partis légalement constitués. Donc, les partisans du président Gbagbo considéraient que nous étions des complices de la rébellion. Il n'était pas bon pour nous de nous balader à visage découvert ou bien de nous retrouver sur la place publique. Je vais faire un saut de quelques mois pour traiter de l'accord de Pretoria. Je crois que vous n'y avez pas participé, ni les mouvements des forces d'avenir, n'est-ce pas? C'est exact. Est-ce que, par contre, vous avez été informé du fait que, dans cet accord, la composition de la commission électorale indépendante avait été traitée?
Vous l'avez soulevé tout à l'heure. À Pretoria, les conditions de mise en œuvre d'une commission électorale indépendante, le principe a été acquis. Le principe a été acquis. Et il faut dire que déjà le gouvernement avait un projet de test. Et ce projet de test, si mes souvenirs sont exacts, même si on n'était pas présent, ont été, du moins ce projet a été discuté à Pretoria. Donc Pretoria 1, ça a résolu le problème de la commission électorale indépendante. Et qu'est-ce que vous avez appris vis-à-vis la composition de cette commission électorale indépendante, toujours en parlant de l'accord de Pretoria? Qu'est-ce qu'il a été décidé? Vous savez, pour n'avoir pas participé, je ne peux pas rentrer dans le détail, puisque une chose, ce sont les tests qui sortent, et l'autre, c'est les dessous des délibérations qui permettent de mieux comprendre le test rendu public. En ce qui concerne le texte qui a été rendu public, étiez-vous au courant du fait que le texte prévoyait deux représentants désignés par chaque partie signataire de l'accord de Marcoussi? Oui, c'est ce qui a été prévu. Alors, nous sommes en 2005 et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu du RHDP. Je pense que c'est l'année où elle a été créée, c'est exact? Oui, au mois de mars 2015. 2005, excusez-moi. Et pouvez-vous nous parler un petit peu du RHDP? Quel parti regroupe-t-il? Qu'est-ce que c'est en fait? De quoi s'agit-il? Le RHDP est né d'une volonté de réunir dans une alliance politique les partis politiques légalement constitués, c'est-à-dire le PDC-IRDA, le Rassemblement des Républicains, RDR, l'UDPCI et le Mouvement des Forces à Venir. La création reposait sur l'idée qu'il fallait nous réapproprier la philosophie du premier président de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, qui était essentiellement une philosophie basée sur la paix et le dialogue. Donc nous sommes retrouvés à Paris. Et nous avons signé cet accord. Dans cet accord, un élément fondamental apparaissait. C'est que pour les prochaines élections présidentielles, pour la prochaine élection présidentielle, chaque mouvement, du moins chaque parti, membre de cette alliance politique, pouvait présenter son candidat. Mais qu'au deuxième tour, celui des quatre qui serait le mieux placé au deuxième tour soit supporté par les autres. C'était la substance de cet accord. Il faut dire que à cette période, nous avions l'illusion qu'on pouvait organiser des élections en 2015. Non, 2005. Je ne sais pas pourquoi 2015 revient. Et on avait cette illusion. Mais à titre personnel, je ne croyais pas. J'ai même écrit en son temps pour dire qu'une élection, c'est une structure pour l'organiser. Ce sont des électeurs et ce sont des candidats. Certes,
les candidats, cela ne posait pas de problème. Mais la commission électorale indépendante n'était pas encore bien mise en place et n'était pas totalement au fait des mécanismes d'organisation d'une élection. Mais plus grave, on n'avait pas d'électeurs, puisqu'on continuait encore de parler de listes vertes, listes blanches, listes grises, listes noires. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un consensus sur la liste électorale. Donc, à titre personnel, et j'ai même fait un écrit dans la presse en son temps, pour dire que c'était une illusion que de croire qu'en 2005, on pouvait organiser des élections. Vous avez parlé de cet élément fondamental qui apparaissait dans l'accord que vous aviez entre les partis politiques pour les prochaines élections. Cela fait partie de la plateforme du RHDFP que l'on retrouve dans votre livre, est-ce bien ça? C'est bien ça. Alors, en 2005, cela faisait donc 5 ans que Laurent Gbagbo était au pouvoir. Que prévoit la Constitution en ce qui est de la période de temps du mandat du président? De manière constitutionnelle, le mandat du président Gbagbo prenait fin en octobre 2005. Cependant, notre Constitution prévoyait que quand le pays est divisé, on ne peut pas organiser des élections. Je n'ai pas la formulation exacte, mais c'est ça qui a permis de prolonger de manière systématique la durée de présence du président Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire. Et si mes souvenirs sont exacts, même le Conseil de sécurité de l'ONU a reconnu cela et permis que ce mandat continue. Je me souviens encore de cette polémique qu'il y avait où le Conseil de sécurité de l'ONU disait « chef de l'État ». Il agissait en tant que chef de l'État, mais pas en tant que président de la République, puisque de manière constitutionnelle, il ne l'était plus. Et puis, nous avons reçu des invitations pour les fêtes de fin d'année de la part de la présidence de la République. Et au niveau du MFA et de la plateforme du RHDP, nous avons décliné l'invitation tout simplement parce que nous estimons que le libellé qui nous invitait à cette cérémonie était en violation de la résolution prise par le Conseil de sécurité, qu'il lui fallait plutôt dire chef de l'État et non président de la République. Président Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire avait été prorogée. Alors, vous savez de combien de temps est-ce qu'elle a été étendue, cette période? Je crois que il y a eu plusieurs résolutions. Dans l'espoir que quand on dit les élections doivent se tenir en 2006, que cela allait être effectif. Après, nous sommes allés à 2008. Mais je vous fais remarquer que pendant ce temps, au moment où on prorogeait le mandat, il y avait des tâches liées à l'organisation de l'élection présidentielle qui n'étaient pas achevées. On n'avait pas d'électeurs, on ne s'était pas entendu sur les
candidat, puisque d'un point de vue du débat constitutionnel, certains juristes disaient que l'arrêt rendu en 2000, au moment de l'élection de 2000 en Côte d'Ivoire, que cet arrêt ne pouvait pas être battu en brèche par des accords politiques. Donc il y a eu ce débat qui a duré et cela nous a amené progressivement, 2006, on pensait que cela allait bien se passer. 2007, clash entre le pouvoir et l'opposition. 2008, le président de la commission électorale indépendante est démis de ses fonctions. Donc, comprenez que, à partir de cet instant, si la tête de la commission électorale était mise à l'écart, nous sommes rentrés dans des pourparlers pour la nomination d'un nouveau président de l'Assemblée nationale. Et tout ça, ça n'a fait que reculer les délais. Mais pour répondre précisément à votre question, je sais que le mandat a dû être prorogé au moins deux fois par des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous nous avez expliqué qu'en 2005, il n'y avait pas d'électorat, que la présidence a été étendue, bon, la période par des résolutions du Conseil de sécurité a été étendue. Qu'est-ce qui s'est passé en 2006? Pourquoi il n'y a pas eu d'élection en 2006? Je vous ai dit tantôt que pour faire une élection, il faut des électeurs, il faut des candidats. Et il faut une commission pour l'organiser. Si ces trois composantes ne sont pas réunies, on ne peut pas faire d'élection. Alors, vous nous avez dit qu'il y avait des candidats. Commençons par les électeurs. Qu'est-ce qui a fait que cet aspect n'avait pas été achevé? D'abord, il y a eu la perturbation des audiences foraines. Et quand, bien même, et puis par la suite, il y a eu un débat très sérieux sur le choix de celui qui devait établir la liste électorale. Cela a pris des mois. En définitive, on a pu trouver une structure qui a établi la liste électorale. Mais une fois que cette liste a été rendue publique, il y a eu des contestations. Je vous ai parlé de la liste verte ou bien blanche, je ne sais plus. Ce sont ceux pour lesquels il n'y avait aucun doute sur leur aptitude au plan de la nationalité à figurer sur la liste des électeurs. La liste noire, ce sont ceux pour lesquels il y avait un rejet systématique parce qu'on estimait qu'il ne pouvait pas justifier de la nationalité ivoirienne pour pouvoir participer à un vote. Et la liste grise, c'est celle qu'il fallait analyser, toiletter. Je vais vous dire que, justement, par rapport à cette liste, il y a une phrase prononcé par le président Gbagbo, qui m'a personnellement choqué en son temps, et j'ai même été obligé de faire un droit de réponse dans la presse. Revenant d'une réunion de la CEDEAO, à son retour, se prononçant sur la liste électorale, il a dit ceci en substance: nous allons désinfecter cette liste électorale.
Je lui ai répondu en lui disant, Monsieur le Président, ce sont des personnes humaines qui sont sur cette liste et que cette expression que vous employez est digne des expressions prononcées par les nazis qui désinfectaient les juifs au moment de la Shoah et que cela n'était pas digne. Je l'ai écrit, on peut retrouver cela, parce que personnellement, je ne pouvais pas admettre qu'on désinfecte des êtres humains qui figurent sur une liste. Monsieur Nguessan, où est-ce que vous avez publié cet article? Je crois que c'est dans le journal Le Jour Plus. Est-ce que vous vous souvenez de la date approximative, peut-être? Ça, c'était... Ce que je peux vous dire, c'est au moment où on faisait le débat sur la liste électorale. Donc, je ne peux pas vous donner une date exacte. Ça faisait une année? Certainement 2006. Vous nous avez expliqué qu'il n'y avait pas eu d'élection en 2005. Vous faites état dans votre livre, à la page 632, d'un massacre de 70 personnes dans les localités de Petit Douékoué et de Guitrozon, les 31 mai et 1er juin 2005. Pouvez-vous nous dire dans quel contexte est-ce que cet événement, cet incident a eu lieu? Ce que j'ai dit concernant ce massacre de Petit Douékoué et de Guitrozon, si vous regardez bien le livre, ce n'est que la reprise exacte d'un rapport qui avait été établi par les organisations des droits de l'homme à cet effet. Donc, n'ayant pas été témoin de ces massacres, je ne peux pas vous dire les circonstances de leur survenance. Je ne m'en tiens au rapport qui a été établi par les organisations des droits de l'homme. D'accord. Est-ce que vous avez entendu parler lorsque l'incident avait pris place? Alors, on parle de 31 mai ou 1er juin 2005. Est-ce que à l'époque, est-ce que vous vous souvenez en avoir entendu parler? Je ne crois pas que ce soit un événement qui ait impacté notre conscience à cette période. D'accord. Alors, avant de clôturer sur l'année 2005, je voudrais demander qu'en était-il du sort du Premier ministre Seydou Diarra au courant de cette année? Bien. Vers la fin de l'année 2005, le Conseil de sécurité de l'ONU a pris une résolution pour proposer qu'on trouve un Premier ministre, retenez bien l'expression, de type nouveau. C'est l'expression utilisée. Je crois que c'est la résolution 1633. Elle dit un premier ministre de type nouveau. À partir de cet instant, les pourparlers ont commencé pour, d'une part, voir qui allait désigner comme premier ministre de consensus. Et au niveau du RHDP, parce que je vous informe que quand nous avons créé le RHDP, cela a été considéré comme une rupture avec les mouvements dit des forces nouvelles. Donc nous nous sommes réunis et nous avons commencé par voir dans quelle mesure on pouvait trouver un premier ministre, du moins un nouveau premier ministre, contrairement à l'expression un premier ministre de type nouveau. C'est le président en exercice de la CEDEAO à l'époque
Monsieur Olusegun Obasanjo, qui était chargé d'organiser les pourparlers. Donc il est venu à deux reprises en Côte d'Ivoire et nous a demandé de donner des noms. Des noms de premiers ministrables. Chaque parti politique, bien évidemment, a fait ses propositions. Et par la suite, le Conseil de sécurité de l'ONU nous a présenté un premier ministre et a demandé au président Laurent Gbagbo de le nommer. Il faut dire que selon nos artifices constitutionnels, ce n'était pas l'extérieur de nous imposer un premier ministre, mais c'est au président de la Côte d'Ivoire d'accepter de nommer la personne proposée. Et c'est ce qui a été fait. C'est comme ça que, vers la fin de l'année 2005, le premier ministre Charles Konambani a été nommé par le président Laurent Gbagbo en remplacement de monsieur Seydou Elimane Diarra. Monsieur Nguessan, j'aimerais maintenant vous transporter à septembre 2006, au moment où vous prenez votre rôle en tant que ministre des droits de l'homme. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous nous l'avez dit brièvement hier, mais peut-être nous rappeler, comment est-ce que vous avez été nommé à ce poste? Bien. Je vous ai dit que vers la fin de l'année 2005, M. Charles Konambani a été nommé Premier ministre. Il a mis à peu près 2 à 3 semaines pour former son gouvernement. Et quelques mois après, il y a eu un gros scandale. Un avis appelé Probokoala a déversé dans la ville d'Abidjan des déchets toxiques. Prenant acte de cette défaillance de l'administration, le Premier ministre Charles Konambani a rendu sa démission. Démission acceptée par le président Laurent Gbagbo, qui immédiatement l'a reconduit. En lui demandant de former un nouveau gouvernement. Je dois dire que le gouvernement d'union était un gouvernement basé sur le partage des postes ministériels. Le mouvement des forces d'avenir, dont j'étais devenu le vice-président, avait un portefeuille ministériel. Et le déversement des déchets toxiques sur la Côte d'Ivoire a été malheureusement attribué au ministre des Transports. Et le ministre des Transports, c'était Anaki Kobena Innocent, président du MFA. À partir de cet instant, le premier ministre Bani a décidé de ne plus le reconduire dans le gouvernement. Je voudrais vous dire qu'au moment où il formait son premier gouvernement, il avait demandé à chaque parti politique de lui fournir une liste de 5 noms
par portefeuille ministériel, conformément à la clé de répartition que nous avons eue à Accra 2. Et sur la liste du MFA, j'étais en seconde position, après le président, le vice-président. Donc, sans que je sois consulté, dans le cadre de la formation de ce nouveau gouvernement, suite au limogeage de mon président, j'ai été appelé un soir pour m'entendre dire que M. Nguessan, au nom du président de la République, nous vous nommons ministre des droits de l'homme. C'est ce qui s'est passé. Et le lendemain, le décret a été pris par le président Gbagbo. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé membre du deuxième gouvernement du Premier ministre Charles Konambali. Avant votre arrivée à ce poste, est-ce que ce ministère des droits de l'homme était déjà en existence? Y avait-il déjà un ministre des droits de l'homme auparavant? Depuis Marcoussi, il n'y avait pas de ministère des droits de l'homme. Mais avant Marcoussi, il y avait un ministère des droits de l'homme. Et après Marcoussi, et après Accra 2, on a fondu le ministère de la justice et le ministère des droits de l'homme en un seul ministère. Il a fallu le deuxième gouvernement du premier ministre Charles Konambani pour recréer à nouveau, du moins créer à nouveau, le portefeuille des droits de l'homme. Bien plus tard, le premier ministre Bani me dira que, après discussion avec le président Laurent Gbagbo, ils ont estimé que l'un des gros problèmes que notre pays a connu, c'était les violations graves des droits de l'homme. Qu'il fallait créer un département spécifique qui allait se pencher sur l'assistance, la protection, la prévention et être une structure d'éveil pour éviter que ce que nous avons connu comme violation grave des droits de l'homme pendant les années écoulées ne se répète. Et la feuille de route qui m'a été donnée, c'était essentiellement ça. Comment faire pour sensibiliser les Ivoiriens aux droits de l'homme? Comment assurer leur protection? Comment défendre leurs droits? C'était ça essentiellement la feuille de route du ministère des droits de l'homme. Donc, je me répète, le ministère des droits de l'homme a existé avant Marcoussi. Il a été fondu dans le ministère de la justice plus tard. Et après, il a été reconstitué, créé à nouveau. Je vous ferai remarquer que on a connu ça depuis même quelques temps. C'est maintenant encore qu'on a un ministère à temps plein des droits de l'homme. Sinon, depuis 4 ans, en Côte d'Ivoire, on avait une fusion de ces deux entités. Alors, vous êtes nommé à ce poste en septembre 2006. Une fois arrivé à ce poste-là, qu'est-ce qui est mis à votre disposition? Quels outils avez-vous pour mener votre travail? D'abord, il y avait toutes les archives passées du ministère qui ont été mises à ma disposition. Il n'y en avait pas beaucoup. Il fallait tout simplement commencer à rechercher. L'une des premières actions que j'ai menées, c'était de rencontrer les ONG nationales et internationales qui se préoccupaient des questions des droits de l'homme pour les entendre, les écouter et sentir leur approche. Et pendant près d'une semaine, ces ONG ont défilé à mes bureaux
et j'ai essayé de comprendre. Voyez-vous, c'est un peu surprenant que le gestionnaire que je suis, option finance comptabilité, se retrouve à gérer des dossiers concernant les droits de l'homme. Et je me souviens encore d'un repas que j'ai eu avec le président Gbagbo, où il m'a demandé, mais comment se fait-il que quand on nomme les juristes aux droits de l'homme, ils ne posent pas d'acte. Mais vous, le financier, vous arrivez immédiatement. Vous commencez par constituer une base de données. Vous créez une commission nationale des droits de l'homme. Vous insistez pour qu'il y ait des clubs droits de l'homme dans tous les lycées et collèges. Vous demandez la mise en place d'une police des droits de l'homme. Je lui ai répondu, monsieur le président, c'est peut-être parce que je ne suis pas juriste que j'agis avec mon bon sens. J'espère que tous les juristes dans la salle de cours se sentent bien. alors, peut-être vous pourriez nous expliquer aussi, une fois que vous arrivez à ce poste, premièrement, à qui est-ce que vous rendez compte de vos travaux ? Au Premier ministre et au Président de la République. C'est systématique. Nous sommes nommés par un président. C'est à lui que nous rendons compte. Comment est-ce que, dans quel cadre, dans quel contexte, est-ce que vous gardez le Premier ministre et le Président au fait de vos travaux? D'abord, en Conseil des ministres, on fait des communications et on présente ces communications en Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres, c'est le lieu où les décisions sont, je dirais, collégiales. Une fois qu'une communication est adoptée, c'est l'ensemble des ministres qui sont supposés l'avoir adoptée. Surtout que cela fait l'objet de beaucoup de débats avant que les tests soient adoptés. En termes de ce qui était à votre disposition, est-ce que vous aviez besoin de demander des ressources par du Premier ministre ou du gouvernement? D'abord, quand on est nommé ministre, il y a des moyens logistiques, matériels et financiers qui sont mis à votre disposition. Une fois que vous avez fait l'organigramme de votre ministère, il va s'en dire que cet organigramme débouche nécessairement sur la mise en œuvre des moyens matériels, humains et financiers pour pouvoir réaliser votre mission. C'est ce que j'ai fait. Le gouvernement m'a donné les moyens pour travailler. Mais ces moyens ne sont pas toujours suffisants. Ce qui fait que nous sommes amenés à solliciter des structures extérieures pour pouvoir disposer de certaines logistiques pour le travail. Je prends un exemple. J'ai voulu initier les clubs droits de l'homme dans les lycées et collèges. Cela nécessitait qu'il y ait des ouvrages, des supports audio-vidéo. Et en cela, l'ONUCI, c'est la structure en Côte d'Ivoire qui a été créée pour nous assister depuis notre crise. L'ONUCI nous a apporté des appuis substantiels. Vous nous avez expliqué que durant les premières semaines de votre mandat, vous avez rencontré les ONG, les organisations nationales et internationales. Alors, pouvez-vous nous expliquer en gros sur quel genre de dossier vous vous êtes penché
durant votre mandat? Les premières semaines de mon arrivée à la tête de ce ministère, je n'ai pas étudié des dossiers. J'ai plutôt cherché à comprendre c'est quoi les droits de l'homme. Et j'ai demandé à ces ONG de me donner quelques idées, surtout des plans d'action qu'on pouvait immédiatement mettre en œuvre. C'est avec eux que nous avons imaginé la police des droits de l'homme, les clubs droits de l'homme, la structure d'assistance, la mise en place d'un système de veille dans les différentes prisons pour que nous soyons informés régulièrement des exactions qui sont commises dans les prisons. Je vais vous donner un exemple. Puisqu'on avait des gens qui attiraient notre attention sur les exactions commises soit par les forces de l'ordre, soit par les gardes pénitentiaires. Un jour, je reçois un appel de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, comme quoi un policier venait d'abattre deux détenus. C'est plus si c'est deux. Bon. Immédiatement, j'ai dépêché mon directeur chargé de la protection à la Maca, et je lui ai dit, tu vas, tu me prends des images et tu leur demandes dans quelles circonstances cela s'est passé. Donc il va m'expliquer, il va me faire un rapport. Il termine ce rapport par les différents droits qui ont été violés. Mais cette fois-ci avec des images. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est 5 détenus qui, en complicité avec le garde pénitentiaire, à qui ils ont remis de l'argent, qui vont tenter de fuir. Sur les 5, il y a 3 qui ont réussi, et les 2 autres, en sautant du mirador, se sont brisés les jambes. Et quand les gardes pénitentiaires sont venus, ces derniers ont dit, ce sont les policiers qui nous ont donné la clé du mirador. Et il y a un policier qui a sorti son arme et immédiatement il a abattu les 2. J'avais les images. Et quand on va en conseil des gouvernements ou en conseil des ministres, il y a certains dossiers qu'on peut introduire en urgence. Et c'est ce que j'ai fait, avec une explication. Et le président a demandé à ce que, séance tenante, des mesures soient prises pour que le policier qui a posé ce tacle-là soit traduit immédiatement en justice. Je peux vous dire que je me suis réjoui du fait que ce policier a été effectivement traduit en justice. Il en a pris pour 20 ans. C'était ça, être en situation de veille permanente. Avoir des personnes sur tout l'ensemble du territoire, au nord comme au sud, pour savoir qu'est-ce qu'on fait. N'oubliez pas que les différents rapports des ONG et des commissions mises en place par l'ONU ont démontré que sur l'ensemble du territoire national, il y a eu des violations des droits de l'homme. Ce n'est pas seulement sous la zone gouvernementale, mais en haut. Donc je me devais d'être renseigné. Je pourrais citer les exemples à souhait, parce que à plusieurs reprises, on m'a même appelé de l'intérieur du pays pour me dire que tel commerçant est en train de subir une exaction. Et immédiatement, je m'autorisais à téléphoner au préfet
pour lui dire attention, à tel corridor, il y a tel problème qui est en train de se poser, ce n'est pas normal. C'était ça un peu notre rôle d'assistance. Thank you. I would now go for the break. Merci beaucoup. Je pense que nous allons faire la pause maintenant et nous reviendrons ici à 11h30.